Vous parlez des lagages, hein, je vais rebondir dessus. Oui. Parce que là, actuellement, il y a quelque chose qui me pose énormément de questions, et moi, je pense qu'il va falloir voir ça très rapidement, une urgence avant les coups de tempête de cet hiver. Il y a le pin parasol, et j'en ai parlé en commission, qui s'abîme énormément. Alors, nous avons beaucoup des lagages. Là, depuis ce week-end, il y a une branche de l'eau qui est retombée sur la branche du bas. Elle prend de l'huile. Hein. Elle pendouille, elle fait au moins à peu près une quinzaine de kilos, et au moins 10-15 kilos, ouais, à peu près à vous deuil. D'accord. Moi, c'est vrai que j'en ai parlé à la commission, on a été voir le pin parasol, le PNR est intervenu. Alors, l'arbre, parce que je me suis renseigné au niveau du CEE, le CEE avait classé l'arbre, il avait été classé comme arbre remarquable. Le CEE m'a renvoyé au conseil général, qui eux ont perdu toute info là-dessus. Ouais. Mais ils m'ont dit, si l'arbre il est classé au niveau du PLU, chose qui est le cas puisqu'il est classé, l'arbre est protégé. Actuellement, le souci, c'est que l'arbre, il est sur une propriété privée, enfin privée. Après, il est vraiment attenant au privé quand même sur la voie publique aussi, parce qu'il est vraiment touche-touche. La question, c'est qui fait l'entretien ? Il y a quelques années, un entretien avait été fait par l'association avec Anjou, qui a eu un bon délégage de fait. Moi, c'est vrai que Madame Ambroise, le propriétaire, je la connais. Oui, je la connais aussi. Et c'est vrai que l'appeler, moi, ça me gêne un petit peu, ça me gêne, même en point d'avoir un petit peu honte aussi, parce que c'est vrai qu'on l'appelle pour non, faire l'entretien. Non, c'est moi qui vais l'appeler. Non, mais on l'appelle justement, c'est ça le souci, on l'appelle pour faire l'entretien de cet arbre-là. Et à côté, elle met à disposition gracieusement le terrain où il y a l'air bétonné, où il y a tout le sentier, au fond, tous les arbres du sentier botanique. Alors c'est vrai que d'un côté, si elle nous laisse gracieusement le terrain à côté pour que les gens, voilà, ils observent les arbres, etc. Et de l'autre côté, on lui demande un élagage. C'est vrai que moi, ça me pose un peu de questions. Hein. Et c'est vrai que pour moi, il y a urgence, hein, parce que le premier coup de tempête, là, l'herbe, les arbres, les branches, elles vont se briser. Alors si là, ils se brisent en plus, ça serait quand même fortement dommage. Alors c'est vrai que ça serait bien, enfin moi, je serais pour que la commune, c'est vrai que ça nécessite un des frais, hein, mais je serais pour que la commune fasse un élagage. On peut peut-être faire moite-moite. Ouais, mais je sais pas si Mme Moraz voudrait. Puis c'est vrai que d'un côté, elle œuvre gracieusement son terrain à côté. Ouais, enfin, pour le PNR, c'est vrai que on profite aussi du on profite aussi de son arbre pour le PNR aussi. Le PNR veut faire les voyages. Ah là, tu sais faire le PNR, je pense pas que c'est son. Non, mais c'est pas un souci. Mais je pense que ça serait bien de voir ça avant la coup de tempête, parce que vu dans l'état où il est. Je veux l'avoir. C'était mon ancienne propriété. Enfin, 2 ans avant que j'achète la maison, la propriété. Je la connais bien. Je connais bien. Mais je pense que ça serait à voir très rapidement. Ouais. C'est le jour pour époque, il y a des branches qui dégringolent sur la route. Oui, ouais, parce que là, c'est vrai qu'il y a des branches qui sont dans les années. Mais il faut le faire sûrement rapidement, ça, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il est à peine équilibré, alors bah, il suffit d'un bon coup de tempête, hein. On peut le briser. Hein, même, ça, c'est trop. D'ailleurs, c'est de l'eau qui a laissé les racines, qui a fait la route, parce que alors, il faudrait qu'il recharge la route. Alors, justement, M. Rotiro, pas de problème, ça. Hein. M. Rotiro est allé là-bas. Et bon, il me dit que, effectivement, on pourrait abattre les arbres. Oui, mais s'ils sont passés, on pourrait les faire abattre. Mais bon, pour l'instant, il m'a dit on va recharger la route. Donc, c'est dangereux. Hein. Donc, il s'occupe de refaire. Je ne l'ai pas dit parce que ça faisait partie de toutes les bricoles qu'on a vues ensemble. Mais donc, côté route, il va s'en charger. Oui, parce qu'il y a des belles bosses. Oui. Mais pas tellement pour les voitures, c'est pour les vélomoteurs et tout ça, pour les scooters. Je lui ai même dit que ça serait chaud. Hein. Ça serait bien, il y a un panneau de danger. C'est pas assez déformé. Si. C'est pas assez déformé. Non, c'est n'importe quoi. Il a qu'à le prendre procès à 70 avec sa voiture, il va comprendre. Moi je préfère passer lentement et puis même si ça me secoue et puis voir encore oui. Quoi. Oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Le problème, c'est que tout le monde connaît la route, mais c'est quand il y a des gens qui ne connaissent pas la route et qui arrivent par là. Oui, c'est bon. Il faut attention. Il y a beaucoup de mobilité après, on va pouvoir donc forcément, tu n'arrives pas à commencer. Je pense que c'est une urgence, c'est quelque chose. Ça va toujours. Là,
Oui, je pense que l'élagage est plus urgent que la route. De toute façon, la route, ce n'est pas notre responsabilité. C'est le département. Nous, on ne peut rien faire sur la route. Et je ne peux pas faire plus que je l'ai amené sur les préparations. Mais je ne peux pas faire plus. Parce qu'en plus, il fait partie du sentier botanique, et c'est vrai que c'est quand même un atout pour le sentier botanique. Parce que le tourisme, moi, je vois deux gens qui s'y arrêtent. Il n'est pas question de tout ça, c'est évident, parce qu'il faut changer la route. Voilà, il faut élaguer aussi. Mais c'est pas facile, parce que ça va revenir. Ça, c'est sûr. Maintenant, qui va payer l'addition, c'est un peu la question. À une époque, il y avait un cimetière, où est-ce que c'était Verdoué, là. Martigné-Briand, le cimetière de Martigné-Briand. Il y avait des grands arbres comme des pins parasols, là. Et les racines faisaient bouger les tombes. Les tombes, ça... Et j'en avais peur des... Les locataires étaient désagréablement gays, oui. Eh bien, la décision, ça a été de couper les arbres. Qui étaient comme les deux nôtres. Pourtant, les morts, ils bougent plus. Entre un arbre et un mort. Un arbre comme ça, quand c'est pris sur les murs, ça fait fort. Un martinier-briand, ça avait fait... C'était marqué la journée. Ça s'est causé à l'époque. Mais la cure de Saint-Rémy, le séquoia, il en avait dit, il faisait 1m60 de diamètre, 1m80 de diamètre. C'est énorme. Mais là, ça risquait peut-être pour abattre les arbres. Les fondations des bâtiments. Oui, mais il y a la cure qui était... Il y a régulièrement d'abattus, les séquoias. Oui. Parce qu'on les récupère pour les sculptures. On voit bien qu'on a quand même d'abattus. C'est bon que ça. Non, mais parce que ça déterre tout. C'est dangereux. C'est joli, ça. C'est un